Réenregistre. Je réenregistre. Dadi dada di dadi dada. Ou alors, est-ce que si je le mets là? Voilà. Le smartphone n'est pas équilibré. Ah, oh, bah alors. Ah, il n'est pas content. Non, non, merde, il zoome à mort. C'est pas ce que je veux. C'est pas ce que je veux. Attends. J'essaie désespérément de bien. Si là, ça pouvait ne pas bouger, ce serait parfait. Mais c'est pas facile. Hop, alors. Ouais, j'ai même des soupçons de. Putain, c'est pas facile du tout. Ouais, non, là j'arrive à stabiliser. Alors pardon, je te rappelle que j'enregistre. Et je vais même profiter, truc J'ai vu tout ta caméra bête. qui est parfaitement droite, tu touches plus le téléphone, donc à mon avis c'est déjà mieux en route. Ouais, je sais même plus ce que j'ai fait de mon téléphone perso. Que je m'assure, est-ce qu'on est passé de me joindre. Généralement c'est toujours le cas. Qu'est-ce que j'ai fait de mon téléphone perso? Ah, je l'ai rangé dans la poche arrière. Ah, pardon, vous entendez bruit de mon sac que je manipule, du coup je bouscule la caméra, elle va faire la tronche. Ah, t'as envie de grignoter, hein? Ah, non, merci, c'est bon. Ok. Oh. Ah oui, d'accord. Mon téléphone est tombé comme un caca à l'arrière du sac. Ah, merde. Qu'est-ce qu'elle me dit? Alors, j'ai un. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, 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 non. Pardon, j'ai des messages perso, hein, c'est pour ça que. Ah, oh, merde. Alors attends, j'ai plusieurs trucs qui vont pas. Il dit moteur protégé. Ah oui, mais. Ah, pour lui, là. Pour lui, il a été trop contrarié. Comme ça, il préfère être. Attends, pardon. Oh là 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 là. Voilà ce qui arrive quand on essaye de faire plusieurs trucs en même temps. Attends, je vais revenir dans le champ de la caméra après, mais. Et si ça pouvait ne pas bouger, ce serait bien. Alors. Après, je peux difficilement faire mieux, mais. Ouais, oh, tant pis, je me laisserai là. Ça, le coup, je vais le laisser au fond. Voilà. Ça, je me resserre une dernière fois de la flotte.
réponse, je serai peinard. 100% confort, c'est magnifique. Que dit le téléphone? Il n'est pas fâché? Visiblement, c'est bien, il n'est pas fâché. Bon, bah c'est cool, petit coin de verdure. Voilà, je me rassois, mon cher Nayon. Oh là là là, que de manip. Ah, on fait du bien de faire le vide. On essaie de me rappeler de quoi? De réplique. Ah bon? Le savoir est inestimable, mais la l'erreur est coûteuse, mais le savoir est inestimable. Mmh. Tu sais, quand tu fais une erreur, c'est la vie, mais ça passe. Ça revient à l'esprit. Je viens plus de l'expression, voilà. Mais je reposerai la question. Mmh. Et quand il t'arrive une crasse, tu sais que tu as fait le mauvais choix, mais tu sais qu'ensuite, tu ne fais pas recommencer. Bah, oui, il y a quand même des erreurs. Non, j'étais en train de me dire l'immeuble que je suis en train de scruter, là, blanc, avec des apparts qui avaient l'air pas trop mal dessinés. Surtout qu'ils ont chacun terrasse, c'est pas con comme aménagement. Mais je salue en fait les goûts variés de chaque locataire. Oui, c'est des plantes différentes à chaque étage. Ouais, les plantes différentes, franchement, ça fait classe à chaque étage. Et celle qui est au premier, deuxième étage, elle est en plastique en droite, la plante. Ouais, il y en a qui trichent, mais ça ne demande pas l'entretien. Je confesse moi-même que j'ai une grosse plante en plastoc, mais ça permet de combler un vide au fond de la pièce quand vous savez que vous ne pouvez pas avoir de soleil. Et moi qui aime bien la nature, j'ai l'impression que c'est le jardin de mes parents. Ouais. Il n'a pas supporté, quand tu vois qu'on a remis le jardin, il était content. Ouais, comme quoi. Et tous les hivers, il souffre. Tous les étés, il revient. La mère, elle avait complètement tronqué. Il était coupé de ses branches, donc on va laisser qu'il a refait les feuilles. Ouais. Sibing, sibing. Sibing. La machine. Alors j'évite de boire juste qu'il faut, je bois juste qu'il faut pour éviter d'avoir à faire pipi en fait. Non, je pense que ce que je consomme là en flotte, évaporation par les sueurs de la peau, et le peu que j'aurai dans la vessie, ce sera avant d'aller me doucher tout à l'heure, quand je serai retourné au bercail d'ici 1h30 je pense. Mais là il fait tellement bon, tu vois, que j'ai pas envie d'arrêter l'enregistrement. Alors c'est idiot parce que on a quasiment plus de sujet de conversation, là on a besoin de se détendre, de se vider la tête. Ouais. Là je veux qu'il y ait le point d'exclamation plante dans le chat, hein, au moment où vous voyez la vidéo, que vous défouliez. Mais là nous on a besoin d'être en mode zénitude, les pieds explosés. Et encore je suis méchant, là j'ai pas trop mal au pied. Mais ça fait du bien de reposer un peu en étant assis. Je sais que j'aurai des sujets de conversation, mais là j'ai débranché mon cerveau et c'est
c'est un bien pareil, fou. j'ai des branches. Ouais. J'ai un hochement, j'aime que la nature. Le fusion par l'esprit. Le sable. Les sables chauds, didadidado. Quand on remarque bien, la place n'est pas plate, elle est bombée pour que le coup. Ouais, ouais, ouais. Bien vu. Donc la prochaine promenade, on part sur la forêt de Haye, tu disais. Oui, la forêt de Haye, le parc de Brabois. Ah oui, c'est vrai, tu voulais le parc de Brabois, qui n'est pas la même chose que la forêt de Haye. Oui, d'accord, parc de Brabois. Ok, oui, il faut que je mémorise. Parc de Brabois et que j'essaye de planifier un... Bon là, je vais avoir tout le mois de juillet pour... Enfin non, ça dépend. Ça dépend, peut-être tant qu'il fait beau et qu'on arrive à... Je devrais me prendre une semaine de congé complet concernant ouais, deuxième quinzaine de juillet. Je sais pas quand exactement, mais je pense que je vais me prendre au moins une semaine. J'aime bien le parc de Brabois. Si à ce moment-là on peut faire la promenade au moins, surtout que si la météo nous est positive. Mais je te recontacterai après la fête nationale. Oui. Après le week-end du 14, 15, 16 juillet, là, et je te dirai comment je le sens au niveau météo, moi, mon agenda perso, si on peut faire de manière posée la promenade. Au parc de Brabois, ok, que je mémorise. Mais le parc de Brabois, on le trace largement en 3 heures de promenade, je suis persuadé. L'avantage, c'est qu'on pourra se rendre sur place en bus. Moi, je te suggérais le bus parce que n'oublie pas que c'est en hauteur, donc il faut monter la côte. Hein, donc tu. Ouais, en bus, ouais. Ouais, je te conseille le bus. Ouais. Moi, c'est sûr parce que je dois forcément traverser la ville, j'habite à l'opposé. Et voilà. Donc, déposé comme une fleur en bus, presque au sommet de la colline opposée. Ce qui va me permettre d'être frais et dispo à filmer le parc de Brabois. Je suis sûr qu'on le trace, même en étant calme, à pas courir. En 3 heures, on le trace. Je sais pas, j'ai des souvenirs de m'y être promené il y a des années. Ouais, c'est un grand parc. En 3 heures, c'est fait. Bah ouais, parce que c'est un grand parc, mais aux grandes allées. Donc, alors, il y a une vue magnifique. On aura une vue magnifique sur Nancy. Ça, c'est le bon point. C'est le bon plan. Mais c'est vite, il y a un parcours, enfin un parcours, c'est même pas un parcours, c'est un chemin qui a son charme, mais qui trace tout droit, donc à la vitesse. T'as tout un tour. Ouais. T'as une croix et t'as des chemins qui sont des échelles, plus des chemins qui sont en radiole. Quand je me rappelle, quand j'étais au collège, on faisait des cours d'orientation là-bas. Ouais, c'est vraiment boisé, ça rend bien. Ah bah tiens, tu fais bien de parler de cause d'orientation, j'ai une anecdote qui m'a été racontée au niveau du parc de la forêt de Haye, Mais pour en revenir à notre future promenade, je pense qu'on sortira du côté de... en direction de là où tu te souviens, on était sur l'espèce de prairie là. Oui, l'espèce de... Ouais. Je t'en reparlerai, mais je pressens que ça va être ça la prochaine promenade. Ça va être sympa. Oui, course d'orientation, on m'a raconté que en étant, je ne sais plus, au scout, au lycée, il y avait une course d'orientation qui avait été organisée la forêt de Haye. Et en fait, ils devaient rester dans le secteur que nous, on a fait à la forêt de Haye, c'est-à-dire la partie bois côté Lac-Sou, du bon côté de l'autoroute, si vous vous souvenez du plan de la carte de la forêt de Haye. Eh bien, il y a un Igo qui a passé la passerelle au-dessus de l'autoroute. C'est celle qu'on aurait pu arpenter et qu'on fera la prochaine fois, justement, enfin une prochaine fois, pour aller au-delà et vraiment se rendre au cœur de la forêt de Haye. Donc, ce Igo, il s'est perdu dans la course d'orientation en allant au-delà de l'autoroute. Du coup, il y a eu branle-bas de combat au niveau de l'établissement scolaire parce que il y a eu autorisation pour les parents d'être en lien direct avec le prof qui était responsable, prof de PS, de collège et lycée. Le proviseur a accepté de donner le 06 du prof pour qui est resté sur place jusqu'à tard en soirée, voire limite le début de la nuit.
retrouver l'élève qui s'était perdu comme un gros nigo hors de la zone de. Il y a un mulot sous le banc. Il y a une souris sous le banc. Je ne sais pas si vous l'avez vu à la caméra. Ah oui. Il y a une souris. Oui, une souris. Un rat. Non, un rat, je crois pas. C'est un mulot, tu penses? Ouais, je pense que c'est plus une souris. Vu le gabarit, les rats, ils sont énormes. Non, non, c'est une souris. C'est mulot. D'accord. Je ne sais pas si on le verra à caméra, parce que je crois qu'on filme ma tronche de haut. Tant pis, c'est pas grave. À moins que j'arrive à me saisir de là. Attendez, je vais essayer. Bougez pas. Ah bah elle est partie. Non, elle est au pied du banc, la souris. Attendez, je vais essayer de filmer le mulot. On le voit encore au niveau des feuilles. Mais qu'est-ce que tu me fais, la caméra? Ah! Voilà. Je vais essayer de filmer le mulot. Attendez. Le mulot qui est sous le banc. Je viens à côté, voilà. Ouais, ouais. Attendez. J'y arrive ou pas? Oh, il est parti. Attends, il est parti. Il est parti sous l'œil. Ah bon? Ouais. Ah merde. Ah, il reviendra pas. Je sais pas si je suis parvenu à le filmer, mais bon. Peut tremper en chemin, blablabla. Et bref, le jeune a fini par être trouvé, mais ça s'est fini en début de soirée. Et bon, bref, ça avait fait un sacré ménage, un remue-ménage quoi, dans l'établissement, on m'avait raconté. Alors, attendez voir. Ouch. Voilà. Oh, il y a le soleil qui fait. Il fait son effet. Je pense que je cadre bien, du moins j'espère. Incroyable, une souris. Il y a de la vie ici. Ouais, je rangerai mon gobelet après. Ouais, vas-y. Pour l'anecdote de la forêt de haies. Héron. Est-ce que tu vois le héron qui est sur le végétal en face, le grand arbre? Tu le vois en blanc là, avec son bec en train de faire sa collecte? Au-delà de la haie avec les bancs, il y a un énorme arbre. Oui. Qui est vert. Tu vois le truc noir et blanc qui bouge à grand bec? Ah, c'est, je vois. C'est un héron. Il y a de la vie partout, c'est magnifique. De la vie en ville. Là, je le filmerai s'il est encore là tout à l'heure quand on se lèvera. Mais j'ai déjà fait la manip pour la souris. Je sais pas si on la verra la souris dans ma vidéo. J'aurais essayé, mais j'aurais réagi tardivement parce que j'étais surpris de voir une souris. C'était rigolo. J'essaierai d'être plus rapide s'il y a une autre souris qui se pointe dans les 10 minutes qui viennent. Il y a de la vie, c'est ça qui est joli. Il y a des pigeons aussi. Et partout, ils chient. Malheureusement. Mais bon. Ouais, celui-là, il fait son kéké sur le sommet de l'immeuble. Step by step,
Oula, circulation du sang. Oui. Ouh, de remettre les pieds à plat sur le sol, ça a été violent là. J'ai les chevilles qui me. Mais terrible le coup du. Moi, tu vois, ce qui m'a traumatisé aujourd'hui, c'est plus les restes de la vache là, avec l'os et les colonnes vertébrales. On se serait cru dans Jurassic Park. Ah oui. Là. Un peu dur. Un peu dur. Bah, je t'avoue, je suis surpris qu'on ait cette parcelle de parc pour nous tout seuls. Il y a du monde qui circule sur les voies, hein. Derrière la caméra, devant. Il n'y a personne, on a vu une personne tout à l'heure passer. Il y a vraiment, fuir tout le monde. Je sais pas, mais j'ai l'impression d'avoir privatisé le parc, ça me fait bizarre. Où je serais fait bouffer, moi. Bon, je sais pas. Est-ce que tu as un coup de soleil? Non. Non, non, elle a bien opéré, ta crème, merci. Je pense que j'ai sauvé ma nuque aussi. Coup de soleil. Non, ça va. Ouais. De toute façon, je sens rien. Non, t'as rien. T'es largement badigeonné. Non, franchement, très bien joué. La crème solaire a fait son effet. Mission accomplie. Aïe. Mais je reviens sur Minecraft. Oui. Je sais que t'es joueur occasionnel. Oui. Mais qu'est-ce qui te motive? Enfin, c'est pas la bonne approche en disant qu'est-ce qui te motive à jouer à Minecraft. Mais tu préfères quand il y a tout le monde qui est là dans l'euphorie générale J'ai joué quand t'étais là dans ton coin. C'est sur le fonctionnement, j'aime pas la bousculade en fait. C'est-à-dire que quand je joue, quand il faut interagir avec le groupe, que je n'ai pas les connaissances adaptées au jeu, ça bouscule en fait. Et ça en fait, ça te frustrait complètement. Voilà. Ouais, tu seras frustré. D'accord. Parce que j'ai je me dis que tu tapes. Ah merde, j'ai mon téléphone qui sonne. Oh, excusez-moi, qui c'est qui m'a. Attends. Allô. Là, je me promène, je suis en ville. Non, c'est pas la vie. Moi, je l'ai fait fuir, dis donc, je vais le faire approcher, mais il a fui. Le petit oiseau, le petit moineau. Les bateaux, moi je les vois.
Ah non, on voit que les. Si, un peu. Non, on voit que les barrières. Si, on voit un bateau dans le fond, là, je crois. Fait des signes. Le sage de Nancy. Je pense que vers les 13 h, l'idéal. Donc il a pris 4 cm moins d'un rang. Jusqu'à la dernière fois, la fête, c'est en octobre. Il fait 4 cm moins d'un rang, 3 ans. Alors, excusez-moi pour mon absence, mais c'est fou. Je me fais harceler de messages, etc. Là, je viens de raccrocher, j'en reçois un autre. Alors, je me permets de consulter. Je ne pense pas que ce soit urgent, mais je préfère avoir la conscience tranquille, excusez-moi. Les joies du monde moderne. On faisait comment quand il n'y avait pas de téléphone portable, hein? On avait la paix. Ah. Quoi? Ah, bien. Ah, ok. Ok. Nickel. Voilà. Alors, je ne comprends pas mon téléphone, puisque un de mes correspondants m'a rouspété en me disant « Mais pourquoi tu réponds pas le sage ?» Sauf que j'avais répondu d'un SMS qui, visiblement, n'a jamais été réceptionné par mon destinataire. Ah. Donc, c'est bien la communication moderne. Notez encore que les télécommunications fonctionnent. Donc, je viens de me faire gronder joyeusement, enfin, gentiment, mais... J'ai pu comprendre mon interlocuteur, mais j'ai répondu à ton message par SMS. Je suis désolé, je ne peux pas expliquer pourquoi tu ne l'as pas reçu.
C'est celui-là le vrai réseau de la Discord. Sur les SMS, il y a ce qu'on appelle les accusés envoi, accusés réception et accusés lecture. Et bien souvent, les gens ne font pas attention. Non. Et bien souvent, sur les téléphones, il n'y a pas ces trois trucs. Ouais, c'est pas dans la tête. C'est juste un message, c'est juste un signal qui dit quoi que ce soit, mais c'est pas sûr à 100%, mais ça permet d'être un peu plus sûr. Ouais. Mais non, enfin moi je me passe ça par-dessus la jambe. Ouais. Mais c'est juste, voilà, je regrette dans le sens où. Bref. Ouais. Ce qui est fait est fait. Tu as dit que tu étais absent, ouais. Oui, exactement. J'ai fait comprendre que non. Désolé, il faut prendre rendez-vous avec moi. Les visites inopinées, c'est pas une bonne idée avec moi, ce que j'essaie de faire comprendre à certains. Ouais. Désolé, je me tiens à un agenda, je suis un individu organisé, je suis navré de vous l'apprendre. Ouais, l'agenda, c'est important. Ouais. Ah non, mais bon, je comprends chacun son mode de vie, mais merci de respecter l'interlocuteur, mince. Donc du coup, la visite spontanée que j'aurais pu avoir aujourd'hui est reportée à un autre jour, ce qui m'arrange très bien. Voilà, pardon pour l'interruption, voilà, c'est... Et je n'ose pas dire les tourmentes, c'est pas le bon mot, mais les chroniques d'un homme moderne que nous sommes tous. Oui, j'exagère en disant tourment, mais ouais, sous-entendu que ça me bouffe, tu sais, parce que je le vis comme un harcèlement. Hein. C'est quelqu'un qui est, tu sais, du genre, oserais-je dire immature. C'est la personne qui dit, mais pourquoi tu réponds pas? Tu devrais répondre dans la minute quand je te dis machin. Moi, c'est pas du tout mon genre. Hein. J'ai envie de dire avec toi, c'est triste, tu peux crever. Hein. Ouais. Je pointe mes téléphones qu'une fois toutes les 24 heures, donc. Ouais. Ah oui. Non, non, moi c'est pas. Je suis pas police secours. La réponse, tu peux l'attendre. Hein. Oui. T'as raison, faut pas au pied des gens, quoi. Non, puis même, enfin, c'est mon point de vue, je me permets de vous le partager, mais. Tu sais qu'il y a des séances de désintoxication, de ne plus devenir dépendant des téléphones, d'être toujours interconnecté. Parce qu'il y en a qui en deviennent gravement malades. Oui, oui. Quand ils n'ont plus de réponse, qu'il n'y a plus d'informations, ils entrent en angoisse, en panique, en dépression. Ouais. Il y a plusieurs formes. C'est débile, c'est humain. Et moi, je me détache de tout ça. Zen. Une idée de consulter plus de jours par jour son téléphone. Ouais. Oui, oui, oui. C'est fou. Je viens de constater sur ta chaussure, il n'y a pas de truc comme ça. J'ai pas de quoi sur ma chaussure. Ça, la partie là, centrale, là, en dessous de la chaussure. Ah oui. Ouais. Oui, on dirait qu'elle est moulée une pièce, ouais. Presque. Mais tu vois le côté épaisseur sur le côté assez grand de ma chaussure, bah c'est le petit coussin d'air là. Ah oui. Qui est super agréable, que je te disais, que j'ai l'impression de marcher sur un matelas quand je marche. Moins dans la colonne vertébrale en fait. Oui, oui, c'est anti-vibration. Oui, oui, tu dis vrai, mon cher Nayonet, tu dis vrai. Et en plus, c'est un bon matelas, c'est excellent pour la colonne vertébrale. Mmh. Toi, t'as copiné avec le vendeur. Ouais. T'as le même argumentaire. Ah oui, oui, oui. J'ai l'impression que tu essaies de me revendre ma paire, là. Ouais, ouais. Tu essaies de séduire au niveau des arguments de vente. Parce que là, t'en avais la même mécanique, là. Ouais. Là, t'étais bon, là, pour ta présentation de... Il faut un lit pas trop beau, pas trop dur non plus. Après, ça dépend de la personne. Oui, oui, oui. Après, je peux pas le dire. C'est pas ma discipline, mais... Mais oui, je conçois. Je conçois pas pourquoi. Et on voit que c'est une saison chaude, hein, parce que ceux qui ont les vitres en extérieur, façade extérieure, tous les volets sont fermés au minimum à 80%. Donc c'est pour dire. Justement, les volets gris, oui. Je pense que ça prend bien la chaleur, surtout quand ils sont métallisés, chromés. Parce que ça. Ouais. Quelque chose qui est chromé. Qui est lisse, qui est limé, qui est crevé, ouais. Au soleil, qui est exposé au soleil pendant une heure, tu touches, tu te brûles les doigts. Ah ouais. Comme la peinture noire, tout ce qui est blanc et gris clair, comme ça ne m'avisine pas la chaleur. Bah, le noir absorbe la chaleur et ça fait chaud. À l'inverse, le blanc. Ça retient tout la gamme chromatique et du coup ça maintient la chaleur. Alors que le blanc, c'est l'inverse, ça réverbère. Ça réverbère. Ça fait ricocher et ça reste frais. Ouais, c'est dingue hein, que ce soit cette propriété là de la couleur. C'est dingue qu'ils aient choisi le gris, je pensais qu'ils auraient plutôt pris blanc. Bon, après c'est plus salissant quoi. On voit les murs qui sont salis. Bah ouais, c'est le risque aussi, mais.
Attends, j'essaye de... Non, de peut-être te filmer un peu plus bas. Oula, oula, oula. J'essaye de diriger à l'aveugle alors que j'ai pas la perche. C'est comme un peu maintenir une manette de jeu vidéo à l'envers, vous voyez. C'est... Pour le cerveau, c'est bon. Je me demande comment il doit faire pour ravaler la façade des immeubles neufs. Parce que là, c'est neuf, ça te prend 10 ans. Échafaudage. Mais échafaudage. De la même façon, je pense qu'ils peuvent gratter, mais tu remets du ciment. Ah ouais. Échafaudage. Oui, échafaudage, mais la bâtisse, comment ils font pour ne pas monter les échafaudages, acheter du ciment pour atteindre le mur. Mais ce qu'ils enlèvent et ce qu'ils remettent. Ah oui, ouais. La matière. Je suis pas. J'ai pas d'infos. Ouais, normalement il retire la, on va dire la couche supérieure, hein. Ouais, supérieure, comme tu dis si bien. Si bien esthétique que de protection. Et ils refont un enduit, ouais. Oui, la logique voudrait que ce soit ça, mais après, j'ai pas de connaissances sur cette technique. Après un bon coup de lavage, là, je pense que ça pourrait tenir. Bah on voit l'effet de la pollution de la ville. Parce qu'il y a, il y a le côté crasseux, ouais, en dégradé. Ça, là. C'est les, le côté crasseux qui coule le long du mur, c'est parce qu'il n'y a pas de gouttière. Ouais, du coup, ouais. Le dégouline. Ouais, mais c'est synonyme de pollution. Tu vois que la flotte est chargée en trucs crades. Ouais. Et ça s'imprègne. C'est triste. Mal, hein. Mais c'est comme nos portes, comme la, bah justement la porte de la Craft. Ah oui. Comme c'est des axes de circulation, bah, les pots d'échappement, il ne faut pas se voiler la face. Ça cuit. Enfin, ça cuit, ça pollue, ça noircit. Et la porte de la Crappe, justement, ça fait penser à un vieux monument de Nancy qui est censé être la tour de la commanderie. Mmh. Il y a une dizaine d'années, ils ont refait le crépi de la tour de la commanderie, les pierres étaient apparentes. Maintenant, c'est moche et tout lisse. Mmh. Mmh. C'était plus joli quand c'était des pierres apparentes, ça faisait plus ancien là, ça faisait trop récent. Mmh. Ouais, ouais. Ils ont dit que ça correspondait historiquement au. À l'origine, mais moi je trouve que ce n'est pas original du tout en fait. Mmh. On a juste besoin de nettoyer, de refaire un peu le crépi et c'est tout quoi, laisser les pierres apparentes. Mmh. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Eh ouais, j'étais l'ichoir du crépi. Quand on compare le jeu vidéo, je vais encore me répéter, le jeu vidéo, on ripose tous vers le centre, après les gens se mettent sur bagarre, ouais. Et en jeu de plateau, tout le monde s'écarte et s'installe à l'extérieur. Ouais, c'est vrai, c'est une mécanique inverse. Ouais, c'est vrai. Il y a toujours la mécanique d'exploration, de construction, de récolte de ressources, mais dans l'autre sens, vers l'extérieur. Bah, ouais. Parce qu'il faudrait presque, imaginons que je me calque sur ta comparaison entre le jeu vidéo et le jeu de plateau de Nordgard, hein, on parle de Nordgard. Il faudrait, pour reprendre la logique vidéoludique au format plateau, il faudrait définir un carré en fait dans les tuiles de territoire et dire que chaque joueur commence à un angle. Alors, comme ça peut jouer à 5, est-ce qu'on pourrait trouver que le cinquième se mette au centre? Ça peut être pas parce mal. Parce qu'en fait, on peut mettre en 5 positions et une distante sur un cercle. Aussi. Ouais, aussi. Mais en fait, retourner les tuiles. Ah ouais, c'est rigolo. Ouais, ouais. Ouais, c'est sûr. Ils n'ont pas trop pensé à ça. Parce qu'il y a peu d'interactions. Mmh. Et le seul moyen de gagner rapidement, c'est évidemment que ce soit les trois bâtiments. Mmh. Les trois grands bâtiments. À un moment, c'est castagné, mais ça a permis aux autres de s'étendre. Quoi. C'est ça le problème. Ouais.
faut pas trop explorer en fait, j'ai l'impression. Ou alors tu. Ouais, c'est... Bah, c'est vite dit, parce que la logique que tu nourris, c'est que tu entretiennes tes troupes. Donc déjà, il faut convoiter les pommes. Ouais. Parce qu'à chaque tour, il y a la notion de l'hiver, et vous devez dépenser presque autant de pommes que vous avez de tête de corps d'armée. En gros, hein, je simplifie. Donc, si, il faut récolter les ressources. Et il y a le bois pour les constructions, ce qui fait que stratégiquement, militairement et économiquement, en quelque sorte, Puis quand tu as la carte en main, parfois tu es condamné à construire, tu peux pas faire de traction. Donc, non, c'est bien pensé. C'est bien pensé. Sortir l'extension Warchief. Ouais. L'extension Wilderness. Donc je les prends toutes les deux. Ouais. Je les ai réservées. Ah, c'est bien. C'est bien. Donc quand on a joué, on a fait la partie simple sans les monstres. Ouais. Exact. Effectivement, on n'avait pas pris l'option des bestioles. Enfin, de la faune locale, effectivement, ça peut occasionner, je pense que des malus. Je pense pas qu'il y ait des bonus à. Parce que l'ours qui sort de sa tanière et qui défonce les troupes locales, oups. Oups. Voilà, et surtout, ils avaient fait le jeu en version collector, soit la version de base comme j'ai, soit la version avancée avec l'extension des arts, deux extensions que je vais acheter, qui sont vendues séparément. Mmh. Et c'était une année pour 100 euros total. Oh, c'est un budget. Il faut dire aussi les pièces. Livraison complète. Compris, je crois. Sinon, c'était 30 euros de plus. La livraison, je ne suis pas sûr. Et bah, le jeu de base a coûté 70 euros. Les extensions coûtent 22,50 euros à peu près, je pense. Donc, 50 euros. Donc, il faut mettre 110 euros dans le jeu. Donc, ouais, j'ai envie de dire que c'est presque le même prix que la version collector qui était plus jolie avec des pièces en bois et des trucs en 3D et des tuiles plus épaisses. Tu vois. Une boîte stylée avec le sigle Northgard. Je n'ai pas écrit Northgard, mais il y avait le symbole Northgard en brillant. D'accord. Le même graphisme, le même dessin, mais un truc en brillant. Eh bien, la classe. Mais c'est un risque aussi acheter une version Kickstarter et ça peut très bien tomber à l'eau. Quoi. Oui, bah oui, tu mises sur un projet, voilà, tu peux être perdant. Mais ouais. Non, je pense à l'idée, alors bien que j'ai pas vu avec toi les règles dans Northgard de la faune qui est normalement hostile, je pensais à l'ours, tu sais, tu peux avoir bataille locale avec tes troupes, voir si tu perds ta troupe localement avec l'ours et sur sa bannière. Mais si tu arrives à vaincre l'ours, je me dis, t'as un bonus de peau d'ours et tu payes pas la pomme à l'hiver suivant puisque tu peux te gagner en confort. Ouais, il y a une logique. En plus, le morceau de bois, en fait, le bois s'est réchauffé. Et du coup, la peau d'ours te maintient au chaud. Voilà, je pense que ça pourrait être une règle. Oui, tu manges l'ours aussi, donc ça fait une pomme. C'est pas faux, ça change un peu des fruits, ouais. Ouais. Oh la vache, du steak d'ours, dur. Steak d'ours, ouais. Je pense que vous l'aurez déjà vu une, voire deux fois sur mon antenne. Mais je vais avoir un nouveau partenariat de jeu. J'en avais eu un, souviens-toi, avec une scène dans Portal 2. Et là, je vais être parti régulièrement les samedis matin. Figure-toi qu'il y a Petit Seb Live, qui m'apprécie bien. Et il m'a dit, il faut qu'on soit copains au niveau de nos plateformes de jeu, qu'on fasse le lien. Il a regardé ma collection, il m'a dit, j'ai ça en commun, on fait quoi ensemble? Ouais, j'aime bien, c'est sympa comme approche. Et en fait, on s'est mis en accord. Voilà, je pense que vous aurez déjà vu quelques épisodes de Starbound, qui est un jeu très poétique. Ah, oui, c'est un Minecraft en 2D, mais qui se passe dans l'espace. C'est sympa. À plusieurs, oui. Moi, mais c'est pas K2. Oui, c'est Stardew Valley qui se joue à K2. Non, alors pardon, je te corrige, excuse-moi.
Déjà Starbound, pour rester à Starbound, tu peux jouer seul. Moi j'ai déjà fait une carrière seule, mais je suis jamais arrivé à la fin. Parce que toujours par manque de temps, machin, je suis pas allé jusqu'au bout, mais j'ai adoré mais y jouer. J'ai fait aussi en multi, un des rares jeux que j'ai fait en multi, c'était Starbound. Malheureusement, le serveur sur lequel j'étais il y a des années de ça, ça avait mal tourné parce qu'il y avait des zigotos de trouble fête qui sont connectés sur notre serveur. Ils ont mis une merde monumentale. En plus, il y avait des petits genoux, donc ils ont pris peur, ils sont jamais revenus. Enfin bref, les troubles faits ont réussi leur sinistre œuvre. Et du coup, ça a cassé mon expérience multi. Bref, Et quel jeu tu as dit? Starbound. Et Starbound, ok. Starbound, en dehors de jouer à seul, je crois que tu peux jouer sur serveur jusqu'à 8, voire plus, à voir. Je sais plus, il faudrait que je vérifie jusqu'à combien ça peut monter. Stardew Valley, tu m'as fait la remarque de Stardew Valley, qu'il faut que j'essaie d'ailleurs de jouer un épisode par week-end aussi. Faut que je fasse attention de ne pas me faire avoir là, il faut vraiment que je joue la carrière avec la demoiselle, ça va être rigolo dans les week-ends et années à venir. Parce que visiblement ça peut s'installer vraiment dans la durée, Stardew Valley, donc je vais peut-être vous le faire, je sais pas, sur 10 ans. Ça peut paraître fou, mais c'est pas impossible, hein, si ça dure super long. Bref, non, tu peux jouer jusqu'à 4 voire 5. Parce que je crois que quand tu héberges la partie, tu peux faire 4 petites cabanes Ah, dans c'est ton vrai que c'est deux exploitation. maximum. Et une cabane, tu reçois Ah oui, un... Alors j'ai un doute, tu me mets dans le doute, mais je crois que ça peut monter jusqu'à 5 joueurs en multi. Ah, peut-être il y a eu des patchs, mais... Peut-être. Je relirai. Tu as peut-être raison. Hein. Je dis peut-être des gosseries de tête. Et c'est peut-être, tu as peut-être le choix du design de la cabane. Il y a quatre modèles. Et tu peux peut-être en poser que une ou deux. Et j'avais commencé avec Olive qui tue, que je salue. Oui, c'est ça. Olive qui tue. Ça, j'ai commencé. Puis comme on n'arrive pas à synchroniser nos agendas, ça, on n'a pas continué. Mais au moins, elle m'aura fait l'introduction appuyée de Morbo, aussi, dont je fais coucou, Morbeau Sapin, Roi des Gorées, qui nous avait conseillé, parce qu'il avait aussi pas mal d'expérience sur Stardew Valley. Merci à lui. Ouais, c'était sympa. Mais non, là, vous allez avoir droit à du Starbound. C'est cool. C'est bien. J'ai bien aimé la démarche de Petit Cep. Il dit, ah, je veux voir ce que t'as comme mentalité de tech en ligne. Là, c'est ce qu'on a en commun, et hop, on fait mumuse. Bon, moi, je me resserre à boire, c'est pas de causer, mais ça me donne soif. J'ai donné choix fan. Ouh, j'arrive à la fin de la réserve. Ça va être mon dernier gloulou. Ouais. C'est pas plus mal. Le soleil commence à se coucher. Là, il fait plus frais. Et puis, de toute façon, on n'est pas très loin de nos domiciles, hein, comme on est de retour dans la civilisation. Là, sans déconner, j'ai même pas 2 km de marche à Ah bon, faire. on était à Paris. De kilomètres de marche à faire. Peinard home sweet home. Oui, pardon, je regarde pas la caméra, mais je regarde vraiment derrière avec les immeubles. Il y a des choses à voir. Alors là-bas, je crois que c'est un immeuble de bureau. C'est des murs vitres. Et il y a les parties, j'allais dire civilisées, les parties habitées, résidentielles. Franchement, à mon avis, les apparts, les loyers doivent coûter bonbon. Parce que c'est des beaux apparts. Hein. Est-ce que tu as le jeu Don't Start Together? J'en ai entendu parler, mais je l'ai pas. Ah, d'accord. J'en ai entendu parler, ça me dit vaguement quelque chose. Mais non, je l'ai pas. Il y a Tomouf, je crois. Je salue Tomouf, de facto. Je crois qu'il m'avait invité à jouer à This is not a game. Ceci n'est pas un jeu. Et en fait, il paraît que c'est une expérience vidéo ludique excellente. Mais je l'ai pas dans ma ludothèque et je sais pas si je le ferai peut-être un jour, je sais pas. Je ne me prononce pas. Je suis pas spécialement motivé, mais point d'exclamation JAF. Point d'exclamation JAF. Suivi du jeu que vous aimeriez que je fasse. Parce que JAF signifie jeu à faire. C'est comme ça d'ailleurs que Twinsen m'a influencé pour faire l'acquisition et jouer à Fear. Mais c'était une excellente recommandation. Je ne connaissais pas et j'ai adoré faire le premier volet du premier acte. Voilà. Il faudrait que j'essaye de résoudre. J'avais voulu me lancer dans le deuxième, mais j'avais un problème technique. Je ne pouvais pas jouer.
Puis ça buguait, je sais pas pourquoi. Ça aussi, il faut que je reprenne ma partie avec Lara Croft dans Tomb Raider 4. Mais en antenne, voir si je suis perdu, paumé, est-ce que j'ai commis une bêtise, je suis bloqué. C'est des jeux, il faudrait que je continue de les faire, pas que je les abandonne, c'est pas bien. Attends, je vais réinspecter mon, pardon, ma chaussette et mon pansement parce que j'ai l'impression que tout est monté. Ça me fait une bosse bizarre. Ah, d'accord, ok. En fait, j'ai déchiqueté mon. Ok, je vais pas toucher. C'est comme ça. J'ai déchiqueté au niveau du talon mon pansement. Mais ça me fait pas mal, donc tant mieux. Mais je suis comme toi, j'aurais bu au moins 2 litres aujourd'hui. Peut-être 2 litres et demi, je sais plus quelle capacité j'ai pris. C'est bien, c'est bon pour le corps. C'est bien pour le corps. Eh bien. Ouais. Je suis tranquillement posé. Ouais, ça fait du bien. Relax, relax. Relax, you relax. C'est cool, c'est cool. Qu'est-ce que je pourrais dire comme sujet de conversation? J'en ai sûrement en tête, honnêtement. Mais là, j'ai pas d'anecdote qui me percute. Pourtant, avant de partir en promenade, tôt ce matin, j'avais relu les titres des coupures de presse que virtuellement j'enregistre en PDF. J'ai des articles de presse qui me passent le nez, qui m'intéressent. J'avais relu juste les titres pour me remémorer le clac-clac en gymnastique de mémoire. Et là, de tête, j'ai plus de mots-clés. Et pourtant, j'en ai des centaines. Là, j'avais dû justement, je pense que j'avais trié par date et j'avais pris les 100 derniers que j'avais enregistrés. Et je vous ai raconté pas mal d'anecdotes là, durant la promenade, c'est cool. Mais j'aimerais en terminer avec 2-3 encore. Mais je sèche. Ma mémoire m'a trahi. Oui. Oui, mais t'avais pas pris des notes, t'avais pas fait ton bloc. Non, je voulais pas noter dans le téléphone comme j'avais fait la dernière fois sur le plateau. C'est pratique de temps à autre, mais là j'avais la prétention de me dire pas besoin. Je l'ai pas fait non plus, mais je pourrais préparer lors de la prochaine balade. Éventuellement, ouais. Ouais. Pas du loin, pas revenu. Ouais, non, en gros. Puis je pense que la souris s'est barrée parce qu'il y a eu une présence humaine. Il y avait deux femmes qui sont assises sur le banc après. Ah oui, elles sont parties d'ailleurs. Ouais, elles sont parties, mais je pense que voilà, la souris a dû flipper de la présence humaine. D'ailleurs, il y a un jeune là, qui touche pas quoi. Il se promène. Voilà, voilà. Et il faudra qu'on essaye de se resynchroniser à se faire du golf around. Ça fait que j'aimais le mini golf. Alors solo c'est sympa, mais à plusieurs, qu'est-ce que c'est drôle. J'aime bien le mini golf aussi. Ça dure pas trop longtemps, on peut se faire des petites sessions d'une demi-heure, trois quarts d'heure. On rigole bien. Il y a Twinsen qui peut nous joindre quand c'est les cartes tracées incorporées au jeu. Bien content d'avoir Twinsen qui puisse jouer avec nous. C'est plus on est de fou, plus on rit. Quel jeu? Golf Around. Ah oui, Golf Around. Fouafouafouaf. Pas jouer ETS ou ATS, il a un processeur trop vieux. Ouais, ça fait. Non, ouf, ouais, enfin. Non, parce qu'en fait, j'ai regardé son truc, il aura des pâquerettes sur mon portable. Intégré, ça fonctionne de tout juste avec le RAD et paquettes. Et lui, bah, c'est sûr, c'est un truc qui date de 2006, donc de cœur. J'ai regardé les performances et c'est pas la peine quoi. J'ai besoin d'un peu de puissance CPU pour que ça marche. Ouais. Minimum.
Ouais. Alors je pourrais démonter mon CPU et lui donner. Ça, je l'utilise, je peux pas Ouais. me déposséder. C'est sûr, tu m'étonnes. Et là, il casse sur le président, donne-le-moi, je te le rachète, je te le rachète. Mais à la manette, hein, tu joues. Oui. Oui. Un volant, c'est vrai que ça doit être agréable de jouer avec, mais je manque une expérience. D'après Christella, Nash et Joe, c'est tellement bien avec le volant. Mais voilà. J'ai voulu un volant avec un boîtier de vitesse, mais si c'est un boîtier de 6 vitesses, je ne peux pas passer les 12 vitesses du camion, quoi. Oh, il y a peut-être moyen Enfin, d'arranger dans la séquentiel. programmation, je sais pas comment, mais ouais. Séquentiel, oui. Ouais, c'est séquentiel, mais. Tac, montée, descente. Ouais, au volant, avec les palettes. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ouais. Bon, les palettes, j'aime. Ah, j'avais des palettes sur le volant, c'est pas agréable du tout. Ah, t'aimes C'est pas? nul, le boîtier de vitesse. Ouais, tu préfères boîtier de Ouais. vitesse. Oh, les deux Bah, me vont. moi, ça me dérange pas de passer des vitesses quand je suis en voiture. C'est pas compliqué pour moi. C'est juste en montagne, bah, comme j'ai pas l'habitude. Ouais. D'accord, tu penses. Une pensée hein, pour les victimes du sous-marin, là, le Titan, qui allait à 4 km de profondeur à côté du Titanic. Le gars, quand même, il pilotait son sous-marin avec une manette de jeu Logitech. Oui. Non mais c'était la hype et Pour. tristesse sur cet événement, mais ils en parlaient tout le temps. Bah oui, Alors qu'il y parce a que. d'autres choses, il y a d'autres célébrités Oui, qui ont clashé en oui. disant, notamment Barack Obama, il a dit attendez, il y a des migrants aussi qui ont coulé en bateau. Hein. C'est juste Ouais, parce ouais, que ouais. les gens dans le sous-marin ils voient un truc historique et c'était des riches. Oui, c'est vrai. Ton analyse, ta critique est très pertinente, je te l'accorde, mais. Voilà. Je me suis fait incendier par une des modératrices de Bastos. Il y avait en fait, il y avait, Ah j'ai bon? mis un, il y a Bastos qui faisait un jeu qui s'appelait Oui, Uncharted 1, Uncharted tout oui, court, oui. et il faisait la version remaster sur PS5. Moi, je regardais, j'étais content. À un moment, il était un peu en galère sur un bateau qui coulait, qui valsait. Alors, j'ai une petite phrase marrante, ah, vas-y, oh, je veux pas mourir jeune, à bord d'un bateau, je vais me noyer, c'est pas où la sortie. Et direct, la modératrice ne me connaît ni d'Ève ni d'Adam, elle m'allume, elle dit, hey, tu penses un peu aux gens qui sont morts dans le sous-marin? Moi, j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai juste mis un smiley avec les yeux étourdis, et elle m'appelle en Ouais, direct. c'est de la Ah surinterprétation. oui. Ah non, mais j'ai pas compris sur le coup, mais après ça m'a dit, mais qu'est-ce qui lui passe là? Ça fait un petit bout de temps que je suis pas allé voir Bastos sur sa chaîne, malheureusement. J'espère que j'aurai l'occasion de lui refaire, ne serait-ce qu'un coucou prochainement. Si ce n'était pas déjà fait au moment où vous voyez la vidéo. C'était la petite en. La petite Anisart. Ah, la petite nissarde. La Oui, ça petite y est, je vois. Anisart. Oui, je vois. Là, ouais. M'a graissé. Paf! Ouh, cheveux de Ouais. rapprice, attention. Elle a réagi au quart de tour. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais Oui, plus. alors on parlait Oui, de. Oui, le du sous-marin, sous-marin. oui, qui a plusieurs, en fait, il y a plusieurs choses qui a revêti d'un caractère exceptionnel cette affaire-là. Effectivement, c'est terrible, mais c'est le côté potin, mondain, en quelque sorte. C'était des riches, évidemment, qui étaient à bord, parce qu'il fallait s'acquitter, je crois, de 200 000 ou 250 000 dollars pour avoir sa place dans le sous-marin. Il y a le côté prestige, on va dire, truc de riche, comme on apprend que voilà, il y a un tel qui s'offre un billet pour une fusée, s'offrir un vol voilà, orbital autour de la Terre, par exemple. Ça fait partie du nouveau monde de consommation des ultra-riches. Hein, bon, voilà. L'énergie qu'il faut pour envoyer la fusée dans l'espace, les coûts de ressources. Oui. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Que les caractères exceptionnels, donc c'était des riches, machin. Qu'il y avait un expert français, Monsieur Titanic, en gros, je crois qu'on le surnommait en France. Qui fait donc une partie des victimes, malheureusement. Il y avait aussi le côté conception entre guillemets hasardeuse du submersible. Déjà, installer un hublot, sachant que quand on fait la plongée sous-marine à grande distance, on atteint vite ce qu'on appelle le grand bleu, c'est-à-dire un mur où la lumière ne passe plus par rapport à la surface et on ne voit plus rien.
Donc il fait nuit noire assez rapidement dans les profondeurs. Alors je suis pas plongeur, hein, comme vous le savez, mais je sais plus à partir de quelle distance. Ça va assez vite, hein, je crois que c'est 400, 500 mètres. L'eau, c'est transparent, je comprends pas. Ouais, en translucide, ouais. En profondeur, au bout, je crois, d'un demi-kilomètre, déjà, tu vois plus rien. Déjà, au bout de, quand tu es sur le bateau, tu vois rien, quoi. Tu vois les poissons qui sont à la surface. Quoi. Ouais, ouais, enfin bref. Et le hublot, physiquement, était habilité à tenir une pression de 1,4 km de profondeur, sauf qu'ils sont allés à 4 km de profondeur. Donc voilà, c'est sûrement le talon d'Achille, si je puis dire, de l'embarcation, enfin du submersible, qui leur a coûté la vie. Je présume que les malheureux ont pas dû prendre conscience qu'ils mouraient sur le coup. Parce que comme ça, ça a dû se briser. Je pense même pas qu'ils aient eu de signes avant-coureurs de fuite, tu sais, au niveau du hublot, machin. Ça a dû se briser instantanément comme une coquille d'œuf. Oui, pression d'eau. Hein. Ils ont eu une implosion, comme on dit. Et ils se sont fait, mais alors explosés, comme ils étaient victimes d'un attentat, pardon de dire ça, oui. D'une certaine manière. Et les pièces ont giclé au fond de l'océan. Enfin, voilà ce qui fait effet. Quoi. Là, pour le coup, ils reposent aux côtés du Titanic. Hein. Et ce que disait Erika, que j'embrasse aussi, bonjour Erika, de Québec, la belle province de Québec, qui disait ils ont vraiment cherché les ennuis aussi dans le symbole d'appeler le submersible le Titan par rapport au Titanic. C'est autant invoquer, elle le voyait d'un point de vue un peu spirituel et symbolique, invoquer la magie noire sur soi, le mauvais sort, de faire référence à la tragédie, la plus grande tragédie maritime de l'histoire de l'humanité. Voilà, dire mais c'est Nigo, ils l'ont cherché, quoi. Ah là 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 là, je sais pas quoi répondre à ça. Et il y a encore d'autres aspects. On peut faire l'analyse de cet incident malheureux sous encore d'autres angles qui revêt un caractère exceptionnel en fait. C'est pour ça que tout le monde en a fait des papiers, des articles pendant plusieurs jours d'affilée. Alors, c'est comme ça. Donc, voilà. Ah, soupir. Si en même temps ça peut, j'ai envie de dire, voyons le positif, ça peut servir de leçon, dire à ce que les futurs entrepreneurs qui voudront faire commerce de l'exploration maritime à grande profondeur puissent justement ne pas commettre les mêmes erreurs et que, voilà, espérons. Oui. Ils sont allés avec des. Ils sont fait arnaquer quoi. S'ils ont fait un navire, un sous-marin qui ne reste pas à la pression. Bah, dans l'historique de l'entreprise, j'avais cru comprendre, dans je ne sais plus quel article d'un journaliste qui m'était passé sous le nez, je crois que c'était France TV Info, que j'aime beaucoup ce site, du service public, ils avaient expliqué qu'il y avait un des premiers patrons de l'entreprise ou le cofondateur qui s'était barré il y a quelques années en disant « mais non, mais ton projet il est lunaire, il ne tiendra pas, je ne veux pas être responsable justement d'une défaillance avec décès ». Ah. Le mec, il a été censé, il a senti le truc en disant ton hublot à 1300, 1400 mètres et toi tu veux descendre à 4000, ouais. Je joue pas à la roulette russe. En gros, c'était l'idée. Ah bah, il s'est barré. Il a bien pas, fait. Hein, les hublots de la physique. Bah oui, mais bon, voilà, soupir. Ouais. Soupir, soupir. Ah là 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 là. Ouche. Et fruit. Bon, est-ce qu'on prend tout doucement oui. le trajet du retour? Ouais. Tu penses que on va se quitter sur notre point de départ, rendez-vous quelque part de plaisance? Oui, ça ouais. T'arrange toi par oui. Rapport à. Ouais. Moi, je vais peut-être filmer une séquence bonus, une petite partie en direction de chez moi que vous connaissez, en fait, en direction de Malzéville, en espérant que je ne croise pas des zigotos. Alors, je pense que ça se passera bien, parce que là, pour le coup, je serai seul. Mais je ne prendrai pas de risque, au pire, je remballerai si je me sens en relatif danger sur la voie publique. Espoir que ça se passe bien. Et puis voilà, on va se rentrer tout doucement. Allez, je lève déjà mes fesses. Ah, c'était sûr.
Moi, je remets un peu ma casquette pour la fin. Alors, du coup, parce que c'est vrai qu'il y a le blanc où j'ai eu mon appel. Une fois de plus, j'ai dû vous mettre un vent pendant 10 minutes, pardon. Pourquoi il me dit 20% de la batterie? Ah, la perche! Eh ben, c'est la perche que je vais recharger pour le coup.